Bonjour tout le monde et bienvenue sur Geek Redemption pour la suite de notre let's play sur Resident Evil, où précédemment notre femme nous a libérés de la prise de la gamine pour qu'on aille lui botter les fesses, et là on a accès à notre coffre. Et il y a trop de trucs d'un coup là, il y a trop de trucs. Il y a bien trop de trucs. Je fais un petit peu le ménage avant de partir. Alors, est-ce que j'en ai assez pour utiliser? 0. 8, c'est trop. 5. 5, ça va passer. Et maintenant, nous allons prendre notre dernier stimulant. Avec la poudre, est-ce que je peux faire d'autres choses? Ouais, il me faut du fluide. Je vais pouvoir faire des balles plus balèzes avec ce fluide. Et voilà. Tac tac tac. Couteau, j'aimerais bien le garder, mais il faudrait que je me sépare d'un des trucs là. Voilà, bon, je pense qu'on va partir comme ça. Ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais on va quand même réussir à s'en sortir. Allons dans la mine! Une mine! C'est qu'il fait sombre. Oh, c'était pas loin. Allez, prends tes balles, c'est bien. Bon, pour l'instant, j'utilise les missions normales tant que ça passe. J'entends un tout près. Est-ce qu'il est tout seul? Non, il était pas tout seul, je me disais bien. Bon, par contre, cette fois-ci. Je vais mettre les grosses munitions parce qu'il me reste plus beaucoup de l'autre. Ah, voilà pourquoi j'ai gardé le petit couteau. C'est cas où il y aurait des caisses comme celle-là.
En même temps qu'il y a Umbrella, en plus des bestioles, on risque d'avoir des mecs qui vont nous shooter dessus. Non, non, pas eux. Oh! Pour une fois que j'aurais de shot, hein. Ok. Dis pas qu'on va tomber sur le frère 5G qui a foutu des bombes partout. Leur bruit m'a fait flipper. Bon, pour l'instant, on arrive à rester le petit flingue tranquille. Putain, j'ai failli me le prendre. Oula, il y en a aussi. Le mec qui est ici a bien tout piégé. Par où aller, chers amis? Le 5-8-5. Ah, les petits. Heureusement qu'on surveille nos arrières de temps en temps. Hein. Encore? C'est un vrai taquenard, ce mine. Je comprends pourquoi ils étaient si généreux qu'on puisse récupérer nos équipements dans le coffre et tout ça. Excusez-moi, on a tout cassé. Je vais regarder un peu en bas dans les roues. Alors, tac, 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 tac. Hop là, des munitions mitraillettes. Et ben, on va être équipé avec cette arme. On va pouvoir envoyer la sauce. Allez. Wow, wow, wow. J'ai failli me faire avoir. Non, bah je me suis fait avoir là. Qu'est-ce que c'est cette salle? Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle a aussi le QI. Ok, quelqu'un a réussi à se libérer. C'est peut-être le frère, son emprise.
Depuis le début, il a peut-être fait croire tout ça. Non, ça aurait fait gros quand même. C'est quelqu'un qui surveillait la famille, je pense, des expériences. Détruit le tissu de n'importe quel sujet basé sur le modèle biologique E. À utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E, la toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, placer un échantillon. D'accord. C'est pour ça qu'on a l'échantillon depuis le début. Qu'elle nous l'a refilé. Eh ben, on a le remède. On va lui administrer. Ok, de la lecture. Bon, désolé si je m'arrête pas pour tout lire, hein, c'est pas mon genre. Surtout depuis le temps que je vais sortir, à mon avis, tout le monde connaît globalement l'histoire. Bon, on va faire une petite sauvegarde, on va s'arrêter là, on aura fait un épisode un peu court. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, abonnez-vous, suivez-nous sur Twitter et Twitch. À plus! Bonjour tout le monde et bienvenue sur Geek Redemption pour la suite de notre let's play sur Resident Evil et peut-être même la fin, si on est près de la fin. Tout du moins, j'imagine qu'on est près de la fin maintenant. Parce qu'on commence à avoir des éléments de réponse. J'entends mormonner en chantant. Tu es là, gamine? Non. Oula, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Cours, run, run away. Casse-toi. Allez, casse-toi. Je sais pas si elle peut faire tout effondrer. Enfoiré. Bande de salauds. Allez, one. T'es bien costaud là. Continue à monter. Non.
je les aime pas ceux-là. Je vais me soigner vite fait. Plus la pompe. Voilà. Ça c'est une belle arme. Tu vas rester au sol toi. Allez, on monte, on monte. Oh là là là. Ah bah ben ça va, j'ai pas de monde. Sérieusement? Allez, crever. Ah, ils ont trop mangé, eux. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Écoutez, j'ai une idée, chers amis. C'est de courir. Je ne suis pas un héros. Alors cassons-nous vite fait. Le lâche. Ah ah. Je vous ai niqué. J'ai niqué le scénario. J'ai encore du soin, ouais. On sauvegarde au fil de la progression, mais on va pas s'arrêter là. Une enveloppe dans la maison. La chaise de la mémé vide. Non. Elle est plus là. Petit flashback. Quoi pour refaire? Et ben voilà, je pourrais me soigner. Ah, ça je m'en souviens. J'avais demandé le divorce. Tu vas prendre la fessée. Tout est de ta faute. Pourquoi je vois tout ça? Je dois t'affecter. Ethan, ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. Tue-le, maman. Ah, mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. Quelle gamine a été leur tête comme ça en fait? Tu m'étonnes qu'ils pétaient des câbles.
Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Je ne joue pas. Non ! Éloigne ça de moi ! Même toujours vraiment ou c'est une illusion ? Toi, la poupée est devenue grande. Ok, bon, c'était pas par là. Ah, c'était seulement pour nous faire rebrousser chemin. Ok. C'était pour nous faire rebrousser chemin, chers amis. Waouh, elle a bien grandi la coup. Peut-être aller là-haut. Qui peuvent se tuer. Le mec il va faire des cauchemars de sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Hein. LB pour garde. Et ben restons en garde. Fessé. Allez, un petit coup de piqûre. Oh, c'était la vieille. C'est la vieille, je l'avais dit qu'elle était suspecte. Bark. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Voyons ça. Voyons tout ton sang. Oula, oula. Wouah, la bestiole de merde. Crève. Tiens, le pompe. Allez, 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 allez. Putain. Ne me mange pas. Voilà, vous voyez mal dingué. Ah ouais, t'as bien grandi, hein. Oh là 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 là. Tu n'es qu'un petit garçon. Oh. Ah, mais laisse-moi recharger, saloperie. Il
Lâche-moi. Ah putain. Moi je vais te donner du plomb. Allez, elle paye. La petite fille a eu la fessée. C'est vous, Umbrella ? Mon nom est Redfield. Content de vous avoir trouvé. Oh, Chris Redfield ! Pourquoi vous avez mis tout ce temps ? Ethan ? Mia, tu es vivante. On a réussi. Vraiment ? On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyne, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyne n'est plus. Et là, Umbrella. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro. Qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. La fin, genre happy end. On va fermer des portes, on ouvre des portes. Je vous laisse apprécier un peu. En tout cas, la musique est sympa. Go tell and roll me the end.
Bon, et ben voilà, chers amis, c'est fini pour Resident Evil 7, ou en tout cas la campagne normale. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Abonnez-vous et suivez-nous sur Twitch, YouTube et Twitter. Bisous, barbus!